Le problème du trafic et de l'exportation d'importants trésors appartenant au patrimoine culturel de Chypre n'est pas nouveau. L'indifférence des conquérants, la pauvreté des habitants et l'absence de législation jusqu'à l'arrivée de l'administration britannique ont permis à divers aventuriers et pilleurs de tombes de ramasser des trésors archéologiques d'une valeur inestimable et de les vendre à des musées à l'étranger. Le pillage des périodes antérieures ne peut cependant pas se comparer à la destruction culturelle qui a suivi l'invasion des troupes turques en juillet 1974. La destruction et le trafic d'antiquités chypriotes, systématiquement organisés, se sont déroulés sur une grande échelle. L'armée turque et le régime d'occupation ont toléré, et dans de nombreux cas, aidé le pillage afin de réaliser des profits financiers. Le grand nombre de trouvailles provenant des campagnes de fouilles archéologiques, des objets exposés dans des musées et des antiquités appartenant à des collections privées ont été illégalement exportés et ont submergé l'Europe. Les sites archéologiques qui ont échappé au pillage ont été laissés à la merci de la nature et des dévastations du temps, négligés, non entretenus. Ceux qui ont réussi à échapper aux mains des trafiquants illégaux et des vandales ont été abandonnés à la détérioration. Les propriétaires légitimes se trouvent dans l'incapacité de réagir parce qu'ils doivent affronter la puissance occupante, qui fait non seulement preuve d'un manque de respect envers les monuments archéologiques, mais essaie également d'en profiter financièrement en les vendant. Les antiquités chypriotes, volées, ont inondé les marchés étrangers. La civilisation de Chypre est littéralement vendue aux enchères. Les forces d'occupation ont principalement dirigé leur manie destructrice contre les églises, qui ont ainsi été dépouillées de leurs trésors. Des icônes, des objets liturgiques, des vêtements sacerdotaux et des évangiles ont pris la route des salles de vente aux enchères européennes. Après avoir été spoliées, de nombreuses églises ont été désaffectées et converties en casernes, étables, toilettes ou centres de récréation. D'autres ont été détruites ou transformées en mosquées. La presse chypriote turque a beaucoup parlé de ce vandalisme. La petite église de Saint-Efeminianos, construite vers le XIIIe siècle, se dresse à quelques kilomètres du village occupé de Lissi. C'est une église à une nef, cruciforme avec une coupole, dont l'intérieur était décoré de fresques exceptionnelles du XIIIe siècle. Après l'invasion, le trafiquant turc Aydin Dikman a arraché les fresques des murs et les a vendues à une famille américaine à Houston, au Texas. Aydin Dikman était l'un des principaux trafiquants internationaux. Il travaillait avec la connivence de l'administration chypriote turque et des forces turques. Avec l'aide d'un cercle de complices qu'il avait formé dans des universités à l'étranger, il a enlevé des fresques uniques de murs d'églises et de monastères et les a vendues à des trafiquants à l'étranger. Pendant l'arrachage, un grand nombre de fresques ont été détruites. L'un des premiers monuments visés a été le monastère d'Antiphonitis. L'intérieur de l'église était orné de belles fresques des XIIe et XVe siècles, dont un grand nombre ont été détruites ou volées après 1974. Les Turcs ont ravagé l'iconostase et vendu les icônes, la porte centrale et d'autres objets. La plupart des églises situées dans les régions occupées ont connu le même sort. L'église de Notre-Dame à Kanakkaharia est construite sur les ruines d'une basilique du Ve siècle, probablement détruite par un incendie durant la période des incursions arabes. De cette église, seule l'abside du chœur a survécu. À cette abside, on a ajouté une nouvelle église, qui est une basilique à coupole. L'abside était décorée de mosaïques du VIe siècle, qui ont été enlevées après l'invasion turque. Elle représentait la Vierge tenant le Christ sur ses genoux, entourée des archanges et des médaillons des saints. Ces mosaïques ont survécu à l'iconoclasme des 8e et 9e siècles, mais ont été pillées au 20e siècle. Quatre de ces fragments ont été vendus un an plus tard à un antiquaire d'Indianapolis aux États-Unis. Après une bataille juridique devant les tribunaux américains, les mosaïques ont été restituées à leur propriétaire légitime, l'Église de Chypre.
Dans un endroit isolé sur la chaîne de Panadactylos se trouve le monastère de Notre-Dame Absinthiotissa, autrefois sous l'administration du patriarcat orthodoxe de Jérusalem. Le monastère, construit au XIe siècle, était selon des sources médiévales un centre important de culte pour des milliers de fidèles. Plus tard, le monastère a été abandonné, mais son église, la seule église hexagonale à Chypre, a été remise à neuf par la fondation Anastasios Leventis et la restauration des vestiges des fresques du XIIe siècle avait commencé. Les fresques ont été enlevées ou défigurées. L'église de Notre-Dame, Pergaminiotissa, près du village occupé d'Akansou, date du XIe siècle environ et appartient au style cruciforme à coupole. L'église a été construite sur les ruines d'une basilique antérieure, peut-être du VIe siècle. Actuellement, les portes de l'église sont murées par le régime d'occupation et personne ne peut y entrer. L'intérieur a été complètement détruit. Rien ne reste debout. Des fresques importantes du XIIe siècle, telles celles représentant Sainte Anne en prière, ont été découpées et vendues à l'étranger. Le trafic illégitime d'antiquités et la destruction des sites archéologiques dus à l'indifférence ont altéré le caractère culturel dans la zone occupée. Le patrimoine culturel de Chypre fait partie du patrimoine mondial. Une grande partie de cet héritage est perdue à tout jamais. Près de là se trouvent les ruines d'un temple, construit par des mains depuis longtemps oubliées. Deux ou trois colonnes et de nombreux fragments de marbre et de granit que les herbes recouvrent, voilà ce qui en reste. Sois maudit au temps, qui ne laissera pas plus debout les choses à naître que celles qui nous ont précédées. Sois maudit au temps, pour que l'avenir pleure sur ce qui fut et ce qui sera, ce que nous avons vu, nos enfants le verront. Débris de choses qui ont disparu, fragments de pierres élevés, par des créatures d'argile.